Nous proposons une tarification différente de l'acte médical selon la zone d'exercice. C'est-à-dire qu'il faudrait inciter les jeunes médecins à venir s'installer dans les zones rurales délaissées en leur faisant, en leur promettant que chaque acte qu'ils y prescriraient serait davantage rémunéré qu'ailleurs. Nous proposons dans notre programme de recruter des centaines de milliers de professionnels de santé, surtout que le Covid a bien mis en exergue et a bien appuyé sur, sur les déserts médicaux et sur, sur les problèmes que les gens peuvent rencontrer à aller soigner. C'est-à-dire que quand on est obligé d'aller soit à Fécamp, soit à Lillebonne ou au Havre, c'est juste intolérable. D'abord, je tiens à rappeler que député, c'est un mandat national et que ce n'est pas un mandat d'élu local et que ces solutions doivent être trouvées avec les professionnels, les médecins, les professionnels de santé et les collectivités. C'est un peu facile de dire que quand on est député, en gros, on n'a pas à s'occuper de certains problèmes du terrain. Quand on est député, on doit être à l'écoute des élus de terrain, ça c'est sûr. En tous les cas, moi, c'est la conception que j'ai du député et du reste, votre prédécesseur... Et Stéphanie Kerbar l'a été, prédécesseur, vous êtes maire de Fécamp, écoutez, elle a été... Aujourd'hui, c'est plus de 9 millions d'euros qui a été donné pour la circonscription, d'accord ? Pour la santé, dans le cadre du plan de redressement. Très bien. Je l'ai voté, je vous remercie. Très bien, très bien. Moi, je parle de choses très concrètes. Vous 9 voyez, millions d'euros, par exemple. Non, mais madame, vous permettez, s'il vous plaît, que j'aille jusqu'au bout.